Yatara, Yula, Yansani, etc., etc. Donc, le premier ministre Guinée, s'il l'entend, c'est vous qui êtes responsable. Hein? C'est le président. Parce que demain, il prend son avion et il s'en va. Et j'aime bien, je suis un vrai Guinéen. Je vous explique comment. Au temps de sécurité, je m'appelais Amadou Baylo Sow parce qu'il y avait Elan Tchaïklaï à côté pour me défendre. Au temps de Conté, j'étais Momo Bangoura, avec son parent. Au temps de Dadis, j'étais Nyangoué de l'amour. Je le même. Au temps de Sékou Bakounaté, encore Nyangoué de l'amour. Actuellement, à partir du 1er novembre, je m'appelle Mamadi Traoré pour être Sanakoudé. Voilà, vous êtes des bons manières. Je vais souvent à Réunion, mais j'ai trouvé qu'il y a deux noms de famille prépayés en Guinée. Je cite les Souma, les Keita et les Bani. Bon, je vais expliquer, s'il vous plaît. Je suis allé en mission à Timbo. Il y avait les descendants de Fodié Seydi, donc les Seydi Yanké. Et les descendants de Fodié Seri, les Seydi Yanké. Un Seydi Yanké qui est descendant de Fodié Seydi, non, un Seydi Yanké, c'est le plus vieux. Et puis les deux là sont immatriculation temporaire en Guinée. Fodié Seydi et Fodié Seri sont venus de Massina. Le Massina, c'est dans quel pays? Mali. Au Mali. Donc ils ont quitté en Guinée. Ils ont passé la nuit à la frontière du Mali. Non, non, on c'est ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous voilà. Un bari de Fukumba est allé, il a vu une fille, une jeune fille dans une famille. Il a dit qu'il veut maintenir son amitié avec la famille là. Il dit qu'il veut de la jeune fille, mais elle est très petite, il dit bon, je veux la laisser ici jusqu'à ce qu'elle grandisse. Il va en aventure, il gagne de l'argent. Il va à la mettre, il revient. Il réunit les vieux de son village, ils reviennent dans la famille. Donc on s'était entendu sur quelque chose ici, et je viens voir si jusqu'à maintenant vous tenez à votre parole d'honneur. On dit, il n'y a aucun problème. Elle est là, on s'en tient à ce qu'on avait dit. Ils étaient au salon, ils parlaient. La fille avait fini folie, elle était dans la chambre. On dit, mais il y a un vieux qui se lève, il dit, attention, vous savez, c'est genoux, c'est de coutume, pour que se marier genoux, il faut danser. Et lui, il est déjà à l'âge. Il dit, ah, vraiment? Donc quand on m'a amené d'après un autre coup de jeune, car il va avoir tant de handicap, la fille vient passer devant lui, en collant là, avec un bon biftec. Il trouve qu'il ne veut pas que vraiment ça l'échappe. Il dit quand on a mis des grands poros, on en a tant d'un doré, mais Allah a dit, il y a le hamac. Je vous remercie.